commercialisée fin 2016 et auréolée quelques mois plus tard du titre de voiture de l'année 2017 en Europe, le Peugeot 3008 passe par la case restylage. Le SUV compact français s'offre une face avant profondément remaniée, transfigurée. Il adopte certains gimmicks introduits par les dernières productions de la marque et hérite ainsi de la fameuse signature lumineuse avant en forme de croc. Cela dit, c'est la nouvelle calandre du 3008 qui attire tous les regards. Exit, l'ourlet chromé, place à un élément imposant, intimidant, solidaire du bouclier comme des feux avant. On dirait un lion, gueule béante. Au niveau de la poupe, les nouveaux feux full LED tridimensionnels donnent à voir une signature lumineuse en forme de griffure et héritent de clignotants à défilement. À bord, le restylage est beaucoup plus discret. L'écran tactile central passe à 10 pouces contre 8 pouces précédemment. Côté technologie embarquée, le 3008 restylé s'offre un système de reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, de même qu'un système de vision nocturne, équipement étrenné par la 508. Le régulateur de vitesse adaptatif du 3008 a été upgradé pour sa part. Il dispose désormais d'un système de redémarrage automatique. Enfin, peu de changements à signaler d'un point de vue mécanique. En Europe, le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux tire sa révérence. Il faudra sans doute attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant d'être fixé sur les spécificités et les tarifs du 3008 couleur locale. Affaire à suivre. À très vite sur wandelou.com.